Bonjour à tous, je m'appelle Lily West et aujourd'hui on va apprendre une chorégraphie de Darren Bailey et Rob Fuller qui s'appelle Win, Gangi. Win, c'est aussi le nom du morceau de Cat's Beach. C'est une chorégraphie de 32 temps avec 3 tags, mais vous allez voir, c'est déjà 2 fois le même tag et après le troisième, c'est quasiment la même chose. Première section, on marche avec le pied droit, on marche avec le pied gauche, triple step droit avant, three, four, step, rock step avant pied gauche, on fait un pas en avant pied gauche, on revient sur le pied droit. Et triple step en arrière, pied gauche, avec un demi-tour à gauche, ça nous donne quart de tour, pied gauche. On ramène le pied droit à côté de pied gauche, et quart de tour, pied gauche en avant. On refait ça tranquillement, ça nous donne marche, marche, triple step, rock, step, et triple turn. Encore une fois avec les comptes, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On a le poids du corps sur le pied gauche. Deuxième section. Un bump avec la hanche droite. Du coup, on est obligé de légèrement avancer le pied droit. Mais on ne pose pas le poids du corps dessus, puisque sur le deuxième temps seulement, on va poser le poids du corps sur le pied droit. Même chose avec la hanche gauche. Bump gauche et pied gauche en avant. Ça nous fait déjà 4 temps. Ça nous fait 1, 2, 3, 4. Sur 5, on va faire un stomp en avant pied droit et en même temps, on va écarter les mains. Avec les paumes vers le sol, on a du coup la main droite en avant et la main gauche en arrière. Stomp, une pause, triple step en avant gauche. Gauche, droite, gauche. On refait ces 8 temps là. Ça nous donne bump, step, stomp, pause, triple step. Avec les comptes, côté pied gauche toujours, on commence avec le bump droit. 5, 6, 7, 8. Bump, step, stomp, pause, triple step. Ok, on refait ça du début. 6, 7, 8. Marche, marche, triple step, rock, step, triple turn. Bump, step, stomp, pause, triple step. On a posé le corps sur le pied gauche. Section suivante. On va faire un step quart de tour. Donc, un pas en avant pied droit. On met le poids du corps sur le pied droit et sur le deuxième temps, on pivote d'un quart de tour, on remet le poids du corps sur le pied gauche. On continue avec un cross triple, donc on va croiser le pied droit devant le pied gauche, on décroise le pied gauche à gauche et on croise à nouveau le pied droit devant le pied gauche. On refait déjà ces 4 temps, ça nous donne un pas en avant, quart de tour, poids du corps pied gauche et on croise, on décroise, on recroise. Ensuite, on continue à partir vers notre gauche et on va faire quart de tour à droite, pied gauche en arrière. Quart de tour encore à droite, pied droit à droite. Et encore un cross triple, gauche, droite, gauche. Et on finit le poids de cœur sur le pied gauche. On refait ces 8 temps là. On a le poids de cœur sur le pied gauche. Ça nous donne step, quart de tour, cross triple, quart de tour, quart de tour et cross triple. Avec les comptes, poids du cœur pied gauche toujours, 6, 7, 8, 1, 2. 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On reprend tout ça du début, les 3 premières sections. 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On a le poids du corps sur le pied gauche, on va faire le rock step à droite. Un pas à droite avec le pied droit, on revient sur le pied gauche. Behind side cross, donc derrière, côté, devant, sur 3 et 4. Et là, on va faire des toe switches. Pointe à gauche, on ramène. Pointe à droite, on ramène. Et là, talon en avant, on ramène. Et touch, pied droit à côté du pied gauche. Donc on refait ça, ça nous donne pointe à gauche, on ramène, pointe à droite, on ramène, talon en avant, on ramène et touch. Et ça on le fera sur 5 et 6 et 7 et 8. Si on refait notre dernière section, on avait terminé le poids du corps sur le pied gauche et on démarre rock step à droite. 6, 7, 8, rock, step, behind, side, cross, pointe et talon et touch. Avec les comptes, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8.
On a fait notre train de temps, donc 4 sections, la chorégraphie est terminée, on a fait sur le pied gauche, et on peut repartir, on est vers 9h sur le deuxième mur, marche, marche, et triple step. On fait notre premier mur en entier. 5, 6, 7, 8, marche, marche, triple step, rock, step, triple turn, bump, step, bump, step, stomp, pause, triple step. Step, quart de tour, et cross, triple, quart de tour, et cross, triple. Side, rock, behind, side, cross, pointé, pointé, talon, et touch. Et la même partie, marche, marche, et triple step. Toujours le premier mur avec les comptes cette fois-ci. Et on va directement enchaîner sur deuxième mur, troisième mur, et on s'arrêtera à la fin du troisième mur. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et on recommence, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, cross triple, quart, 7 et 8, side rock, behind side cross, 5 et 6 et 7, et on commence. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Et là, on est arrivé à la fin de notre troisième mur. À la fin du troisième mur, on va voir le tag. On va s'en occuper tout de suite, parce qu'en fait, à la fin du troisième mur et à la fin du septième mur, donc les deux fois qu'on se retrouve à la fin du mur, vers 3h, on va avoir notre tag. Et ça sera nos deux premiers tags. Du coup, ce tag, il fait 4 temps. On va faire un stomp en avant droit. On va faire un slap, main droite, talon gauche. Derrière, pied gauche en arrière, hook, pied droit en avant, et deux claps. Et on garde, attention c'est très important, on garde le poids du corps sur le pied gauche. Et comme ça on peut repartir du début, marche, marche. Donc surtout on pose le pied droit en avant avant de faire nos deux claps, et on garde le poids du corps sur le pied gauche, et marche, marche, on reprend. Avec les comptes, ce tag, ça nous donne 1 et 2 et 3. Et 4. Et on repart. Ça veut dire que ça va être assez rapide. On essaye ensemble un peu plus vite. 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4. Marche, marche. Encore une fois. 5, 6, 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4. Marche, marche. Maintenant, si on essaye d'enchaîner la fin de notre troisième mur, la dernière section, rock step à droite, behind side cross, little switches, talon et touch, et le tag. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, 1 et 2 et 3 et 4. Marche, marche, on est parti avec notre quatrième mur. On va refaire la même chose, toujours cette fin, cette dernière section du troisième mur. On fait notre tag, et cette fois-ci, on enchaîne vraiment sur le quatrième mur en entier. 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, 1 et 2 et 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, cross triple, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8, et on est parti du début. Comme je vous le disais, les deux tags vont se retrouver vers 3h, après le troisième mur et après le septième mur. Donc ça, c'est réglé. Il ne nous reste plus qu'un tag. Donc, on termine le septième mur, on fait le tag vers 3h. On fait notre huitième mur, on va se retrouver vers midi. Et sur ce mur de midi, on va faire les bump, bump, stomp. Et là, on va refaire un stomp. On va faire ça ensemble, on se retrouve vers 6h. On a commencé notre mur de midi. On commence ensemble, on fait marche, marche, triple step, rock, step, triple turn,
continuer sur le triple step, on fait un deuxième stomp, cette fois-ci pied gauche en avant, et toujours en écartant les mains, cette fois-ci c'est la main gauche qui est en avant et la main droite qui est en arrière, la paume vers le sol. Et maintenant, on fait notre tag habituel, stomp, slap, gauche, hook, droite, clap, clap. On a terminé et on peut reprendre vers 6 heures. On refait notre 9e mur ensemble, donc c'est le mur de midi qui se trouve juste après le deuxième tag. 6, 7, 8, marche, marche, triple step, rock, step, triple turn, bump, step, stomp. Encore une fois, stomp et droite, slap, gauche, coup, droite, clap, clap. Et on repart. Avec les comptes maintenant, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4 et marche, marche, reparti. Et bien on est prêt à le mettre en musique, donc il faut penser, presque un tour complet, tag de ce côté-là, encore cette fois-ci un tour complet, tag toujours de ce côté-là, toujours à 3 heures, et après on se retrouve vers midi, et tout de suite notre dernier tag avec le stomp en plus et le tag à ce moment-là. On gonfle un front ensemble, attention il n'y a que 16 temps. Encore une dernière chose avant de mettre la musique, vous allez remarquer que les deux tags qu'on a vers 3 heures, ils se trouvent à la fin du refrain, si on écoute un peu. Cross, 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 cross